Alors salut, salut à tout le monde. C'est un immense privilège de vous retrouver une fois de plus pour ce merveilleux tutoriel ici, Merveille Tuto. Donc aujourd'hui, on va voir un nouveau WhatsApp. Donc j'avais eu à faire une vidéo concernant GB WhatsApp. Vous allez voir la fiche apparaître juste à votre extrême gauche. Donc, mais aujourd'hui, je vais vous apporter un nouveau WhatsApp. Donc le WhatsApp que je vous avais montré, en ce moment, ils mettent beaucoup de publicité à l'intérieur. Donc vous allez voir peut-être si vous avez eu à utiliser ça. Vous allez voir les publicités des femmes nues et consorts. Donc la version que je vous apporte est sans publicité et 100% customisable. Donc vous allez changer pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux, trois choses. Donc, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner d'abord à la chaîne. Je vous invite à cliquer sur la clochette afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc on va recommencer. On va commencer tout simplement par le tutoriel. Donc le WhatsApp, quand vous l'ouvrez, il vient comme ça, peut-être à part le petit avion là que vous pouvez activer ça dans les paramètres. Donc comment ça se passe? On va simplement d'abord pour un premier temps changer de thème. Pour changer un peu de verre, pour prendre un autre thème par exemple. Donc vous venez à FM mode, j'ai cliqué sur les trois petits points, FM mode, vous venez sur FM thème. Et ensuite vous cliquez sur Download Your Theme. Donc vous pouvez choisir parmi les thèmes qui sont ici. Je vais prendre un thème au hasard, un thème qui change un peu. Je vais prendre celui-ci, je vais appuyer sur OK. J'appuie sur Installer, j'appuie sur OK. Voilà, ça redémarre automatiquement au hasard. Donc ça a changé la couleur de mon WhatsApp. Mais là maintenant, le WhatsApp, si la couleur, si la forme, si c'est bien, mais ça ressemble à l'ancien WhatsApp qu'on connaît. Donc je vais venir encore customiser maintenant ce thème. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur les trois points encore. Je viens sur FM Mode. Ensuite, je viens sur Home Screen. À Home Screen, je clique sur Header. Header. Ensuite, à Header. Je sais pas comment c'est comme ça qu'on prononce ça en anglais, mais je me bats. Donc, je veux cliquer ici sur Home UI Style. Je veux choisir par exemple le One UI. Voilà, ça va me changer. À chaque fois que je clique ici, on me prévisualise ce que ça donne ici en haut. Donc, je vais cliquer. Quand j'ai cliqué ici, ça m'a prévisualisé ici. Si je clique ici, par exemple, ça m'a montré comment ça affiche ici en haut. Ici. Je vais, si je clique, ça me montre comment ça va afficher juste en bas. Voilà. Donc moi, je vais cliquer sur One UI. Je vais retourner par exemple comme ceci. Vous voyez que ça a changé l'aspect de mon WhatsApp. Vous voyez, ça a changé carrément l'aspect de mon WhatsApp. Et ici, j'ai la discussion en bas, j'ai les groupes, j'ai les statuts, j'ai les appels et consorts. Donc, je vais encore changer et je vais mettre. Je vais ajouter par exemple les statuts pour que ça apparaisse comme dans Instagram. Pour ce faire, je vais cliquer encore sur les trois points à côté. Je vais cliquer sur FM Mode. Je vais cliquer sur Home Screen toujours, comme c'est la page d'accueil, notre page d'accueil. Je vais encore cliquer sur Header. Et ensuite, en ce moment-là, je vais cliquer sur Enable Instagram Like Story. Je vais cliquer sur ça comme cela et je vais retourner. Et lorsqu'on entre dans notre WhatsApp, ce qu'on voit, nos statuts. Nos statuts apparaissent un peu comme dans Instagram. Magnifique. Vous pourrez par exemple entrer, télécharger si ça vous plaît. Donc, ou alors venir toujours dans l'onglet statut et visiter comme avant. Donc, vous avez deux statuts, deux genres de statuts. Là, comme ça. Donc, vous pourrez également, pour ceux qui aiment lire la musique étant dans WhatsApp, ça veut dire on vous a envoyé la musique, quelqu'un vous a envoyé la musique, mais vous voulez lire la musique. Et sans changer par exemple, sans quitter de WhatsApp en fait, sans quitter de cette conversation, vous envoyez la musique pour revenir ou causer ailleurs. Et il se trouve que pendant que vous êtes en train d'écouter de la musique à WhatsApp, quand vous envoyez par une conversation, lorsque vous sortez, vous ne pourrez plus écouter de la musique. Donc ici, c'est une option qui va nous permettre d'écouter de la musique et tout le temps. Répondant à une autre personne ou bien en écrivant à un autre groupe ou bien en faisant autre chose à WhatsApp. Donc vous allez cliquer sur les trois points là, vous venez sur FM Mode. Ensuite vous cliquez sur dans Universal, voilà. Universal, ensuite Setting, ensuite Conversation Car. Donc c'est d'abord désactivé. Donc vous allez activer simplement comme ça. Voilà, quand vous allez activer, ça va agir comment? Ça va agir comme ceci tout simplement. Lorsque vous entrez pour écouter de la musique comme ceci. Au lieu de retourner, au lieu de cliquer sur l'option retour, vous réduisez tout simplement. Donc je vais faire, je vais appliquer, je vais appuyer play et je vais réduire, je reviens WhatsApp comme ça. La musique continue de jouer en arrière-plan. Et là, je peux continuer à faire autre chose dans mon WhatsApp. Si je veux refermer, je peux venir, je ferme tout simplement comme ça. Je reviens comme ça.
Donc, c'est simple, c'est facile à utiliser. Le lien de téléchargement de l'application est dans la description de la vidéo. Il y a tellement de fonctionnalités que vous pouvez faire avec ce WhatsApp-là. Vous pourrez également changer, par exemple, la couleur. Également, vous venez dans FM Mode, vous venez dans Universal, vous venez dans Style, Look and Feel, vous venez dans Launcher Icon. Vous choisissez la couleur qui vous plaît. Quand vous avez choisi la couleur qui vous plaît, et c'est cette couleur-là qui va apparaître comme WhatsApp. Par exemple, je vais choisir tout bêtement comme ça, le FC Barcelone. Voilà, par exemple. Voilà. Finalement, à la fin, ma nouvelle icône de GB WhatsApp, c'est FC Barcelone. Voilà. Je peux décider de rechanger et puis de remettre par l'icône qui me plaît bien, le bleu foncé. Voilà, couleur de mes tutos. Voilà, quand même. Donc, c'est terminé pour ce tutoriel. Si ça vous a plu, vraiment, je vous invite à aimer, à partager et à me dire dans les commentaires si vous trouvez cette application magnifique. On se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel avec Merveille Tuto.